Salut tout le monde, aujourd'hui on va simplement jouer à Clash Royale, on va se faire un petit pack opening, deux petites attaques et après on ouvrira le coffre à couronne, c'est parti! Donc du coup on va commencer avec les coffres d'argent, attention qu'est-ce que ça donne? Ça donne 65 d'or, ça commence petit comme d'habitude, une tour de l'enfer et 9 gobelins à lance. Bon, la tour de l'enfer, hein, c'est pas mon truc. Et enfin, c'est pas mon fort. Et puis, gobelins à lance, j'aime bien, mais j'utilise pas en ce moment. Donc, du coup, 68 d'or, c'est déjà un peu mieux. Une cabane de gobelins, c'est pas mon fort non plus. 9 esprits de glace, ils sont toujours aussi mignons. Mais je les utilise pas non plus. Après, y'a quoi d'autre? 50 ou. What? 50 d'or. On passe de 68 à 50 d'or. Ok, t'as intérêt à me donner des bons trucs, hein, sinon... Un bombardier, ça va, ouais. Et 9 barbares, bon, c'est pas top top, mais ça va. Ok, pourquoi il y a eu que 50 d'or, là, je comprends pas. Enfin bon, c'est pas très grave, pourtant, je suis pas sûr qu'il y ait eu... Non, je suis pas descendu d'arène, donc non, bah, c'est pas ça. Et franchement, radin, quoi. Bon, alors, 75 d'or, c'est déjà beaucoup mieux. Une méga gargouille, ça fait plaisir. 9 barbares, c'est déjà pas mal. Attention, deuxième coffre gratuit, attention. 74 d'or, c'est un petit peu moins, mais peut-être qu'il y aura de meilleures troupes. Non, une pierre tombale, c'est pas mon fort, comme on dit. Et 9 esprits de glace, ils sont toujours aussi mignons, mais malheureusement, je les utilise pas. Voilà, je me répète, non, pas du tout. Donc du coup, on va finir avec le coffre d'or, attention. Bizarre ça. Ah non, laisse tomber. Alors, coffre d'or, ouais, c'est l'or qu'il y a là-haut. Donc, l'or, 218 or, je me suis embrouillé, mais de ouf. Oh, 218 d'or, voilà. Donc, cette mortière, non, je peux pas accepter ça. Mais non, je peux pas. Je peux pas accepter ça, c'est pas possible. Cette mortière, c'est... Ah oui, attends, on va parler d'un truc. Ouais, l'électrocution, c'est la meilleure carte du jeu. S'il te plaît, qu'on remette les bases. Électrocution, qu'est-ce qu'il fait? À part rafraîchir tout ce qui est tour de l'enfer et j'ai pas d'autres exemples, mais on s'en fout. Franchement, waouh. Et franchement, c'est waouh. Aucune utilité. Prends le sort de foudre. Non, mais prends le sort de foudre. Lui aussi, il fait la même chose qu'électrocution. Ouais, mais il coûte plus cher. On s'en fout, il sert déjà plus à quelque chose. Hein? Non, parce que là, franchement... 0,5 secondes d'étourdissement, à quoi ça sert? Il était bien quand il était à une seconde. Il était magnifique, il était parfaitement bien. Quand il était à une seconde d'étourdissement, c'était parfait. C'était vraiment une carte génialissime. Mais là, ça vaut plus le coup. Bah non. Attends, ça fait pas assez de dégâts. T'as une horde de gargouilles qui arrive, tu fous une électrocution, ça les tue même pas. Enfin, normal d'ailleurs, heureusement. Parce que j'imagine sinon. Donc ouais, non, je sais pas. Non, franchement, il y a des avantages, mais il y a trop de désavantages par rapport aux avantages, quoi. Enfin, je sais pas, c'est... Elle est bien, mais c'est pas la meilleure carte du jeu, faut pas que j'exagère non plus. Alors, esprit de glace. C'est déjà plutôt pas mal. Toujours aussi mignon. Mais bon, je m'en sers pas. 3 sorciers, ça va. Ça va, j'accepte les 3 sorciers. J'ai eu ma petite méga gargouille tout à l'heure, je suis content. Ah, déjà, t'imagines, une par pack, dans une centaine de packs, je pourrais les amener... Non, attends, c'est combien qu'il en faut? Non, je crois qu'il en faut 200. Donc, dans une 200aine de packs opening, bah, je pourrais l'améliorer. Pas mal, hein? Oh là là. Ah, c'est vraiment radin, ce jeu. Ah, c'est bien, bien radin. En attendant, on a 2 petites attaques à faire. Et après, le petit coffre à couronne à ouvrir. C'est parti. Et c'est parti, on est contre Jauk. Et niveau 9. Niveau 9. Je sais pas, j'avais besoin de... Oh là, tu vois, j'avais besoin de parler fort un petit coup quand même, de faire un petit délire, quoi, voilà. Qu'est-ce que tu fais, mon petit? Qu'est-ce que tu me fais? Hein? Allez, c'est parti, là, tu vas te faire défoncer, hein? Oh, t'es d'accord? T'es d'accord pour te faire défoncer? Est-ce que t'es d'accord, hein? Moi, personnellement, je suis d'accord pour que tu te fasses défoncer. Tu m'étonnes. Allez, c'est parti, hop. Attention, les petits archers. Allez, ça passe, s'il te plaît. Est-ce qu'il a une Valkyrie? Ah, il a pas de Valkyrie, mais il a quand même une horde de gargouilles, c'est dommage. C'est pas grave, on lui a fait quand même pas mal de dégâts, on va pas se cacher, hein, c'est plutôt pas mal. Attention les flèches. Est-ce que ça passe? Non, j'aurais tiré un petit peu plus tard et c'était magnifique! Pourquoi est-ce que je suis bête comme ça, là, hein? J'aurais pu très bien attendre, juste 2 secondes, patient. Il faut toujours attendre de toute façon. T'es patient, tranquillou, t'attends. Hop, ça se trouve, il met un sort de rage, un sort de gel. Et là, BAM! Tu lui fous les boules!
cool. Là, je t'ai fait peur, hein. Non, je déconne. Bon, alors, du coup... enfin, je déconne. J'en sais rien, ça se trouve, oui, hein, mais ça m'étonnerait. En plus, généralement, le son est réduit quand... Et franchement, là, comme vous m'entendez... Mais laisse tomber, c'est limite deux fois plus fort, en vrai, hein. Non, peut-être pas deux fois, mais au moins 1,5 fois plus fort. Il y a des fois, je me dis, mais attends, là, j'étais punch, et on dirait que je suis mou comme je sais pas quoi. Et c'est un truc de fou, il y a des fois, tu te dis, mais c'est pas possible, il y a un bug dans mon micro, c'est pas possible. Alors, ça passe? Mais ça passe trop bien. Toi, t'as le seum, toi, hein. Ah, t'as le seum. Ah, je kiffe Clash Royale quand ça se passe comme ça. Regarde-moi ça. Bon, par contre, quand ça m'arrive à moi, bon, je kiffe un peu moins, mais bon, ça, c'est autre chose, hein, c'est un détail. Tu m'étonnes. Alors, du coup, oh, franchement, regarde-moi ça. Alors, cette fois-ci, on fait pas les cons, hein, on attend. Enfin, quoi que, là, attends, on va quand même mettre ça, voilà. Donc, on attend. Voilà. Allez, hop, c'est parti, on tire. Boum. Hop là. Toi, t'as le seum, hein. Je dis beaucoup, ça, hein. Bah ouais, parce qu'il a le seum, voilà pourquoi je dis beaucoup. Alors... Ouh, monsieur me fait peur, attention. Je vais mourir. Enfin bon, alors du coup, j'envoie ma petite horde de gargouille. Normalement, ça devrait passer. Ça va, c'est pas dégueu. Alors du coup, on envoie la petite meilleure gargouille, on envoie le prince ténébreux, et on est dans la... Ah non, ça va, franchement, elles sont pas toutes mortes, mais mes gargouilles, ça passe. Et là, du coup, ça passe ou pas? Oui, ça va, on lui laisse prendre la tour. Tranquillou. Ah, t'as... Dommage pour toi. Non, franchement, tu auras le démon. Ah, moi, j'aurai le démon à ta place. Je veux dire, mais non, vas-y, je t'en plus, là. J'étais à deux doigts de prendre la tour et tout, là. C'est dommage pour toi, mais c'est pas de ma faute aussi, hein. C'est ce jeu aussi. Il est pas généreux, ce jeu. Il est pas généreux, hein. Ah ouais. Voilà, bon. Est-ce que j'ai dit qu'on était contre Malafama et qu'il était niveau 9? Je sais même plus. Ah non, c'est pas ça, j'ai eu. Ah oui, donc j'ai dit, ouais, c'est quand j'ai eu. Je me disais aussi, Malafama, ça me dit rien, tu vois. Mais c'est le nom du clan. Bah ouais. Bon, alors, en attendant, moi, je vais dire tout de suite pour une deuxième attaque. Bah, carrément, allez, c'est parti. Et donc, du coup, on se retrouve pour une deuxième attaque avec un niveau 9. Donc, voilà, qui est niveau 9, bien entendu. Donc, et franchement, pas mal. Hein. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Enfin, le truc comme ça à la fin. Là. Ah, ça m'a fait marrer, ça. Bon, attendant, on va attendre un petit coup. On va attendre un petit peu. Voilà. Et donc, du coup, on va envoyer notre horde de gargouilles, si possible. Oui, ça va. C'est déjà bien. Ah, je suis dans la merde. Quoi que ça va, ça passe. Non, stoppez. Oui. Ça va. Non, ça passe pas du tout. C'est pas grave, on va attendre. Ouh là 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 là, ça passe encore. C'est encore pire que ce que je pensais. Oh, c'est encore pire que ce que je pensais. What? Mais regardez le peu qu'il en reste de nous là. Mais c'est pas maudit. Mais je suis maudit. Mais je suis maudit, mon gars. Je suis maudit. Allez, tuez-les-moi, c'est pétain. Ouais, tu m'as compris, ouais. C'est pas bien ce que j'ai dit, hein. Ne recopie pas ce que j'ai dit, parce que c'est pas bien. Non, mais attends, comment tu veux que je gagne, moi? T'as vu ce qu'il a, wesh. Ah, sort, je suis chaud, hein. Pitindi. Ah. Je suis saccadé, par contre. Oui, donc. Je disais que. C'était pas bien ce qu'il fait. Parce que, franchement, bon. Tu vois, c'est un petit peu chelou, comme. Mais bon, malgré tout, je pense qu'on peut y arriver. On perd pas espoir. Moi, je te le dis. Il y a moyen. Je sais pas, je me dis, il y a moyen. Maintenant, je sais qu'il a les trois mousquetaires et tout. Et à mon avis, il y a moyen de faire quelque chose. Donc. Donc il renvoie le mec, hein, il renvoie, il aime ça renvoyer, hein, il aime ça renvoyer. Ah ouais, bah moi aussi j'aime ça renvoyer, tu vas voir, je vais renvoyer, tu vas voir. Alors, ça passe ou pas? Ça va? Il me faudrait une boule de feu d'ailleurs dans ce... Ouais, dans cette situation, une petite boule de feu, on va pas se le cacher. Ça serait pas dégueu. Bon alors toi tu m'as saoulé déjà, bim, direct, le prince ténébreux. Bim, ce qu'on va faire, on va faire ça. Et bim, qu'est-ce que tu vas faire ma gueule? T'as de seum là, hein. Oh, il m'a saoulé ce mec. Hallucinant là. Avec sa vieille tour de l'enfer et tout. Wow, c'est bon quoi. Eh, c'est un truc de fou. Oh, il m'a saoulé, hein. Oh, c'est un truc de fou. Bon alors du coup on va mettre vite fait, bien fait ça. On va mettre ça. Et pourquoi pas ça. Allez, on est des fous nous, on est comme ça. Voilà, il met une vieille boule de feu à chaque fois, tu sais même pas pourquoi le mec. Alors, ça passe? Ça va, est-ce qu'on lui détruit la tour? S'il te plaît. Oui!
Oui, on l'a réussi, on a réussi. On a réussi. Ah, t'as le seum là, hein. Bon alors du coup ce qu'on va faire, on va bien viser, attention. Ça va, on a bien visé. Oh là là là, comment il a trop le démon là. Là il a le démon là. Oh, t'as voulu jouer au malin là avec ta, tes vieilles Valkyries là, enfin tes mousquetaires là, mec. Et là moi je te défonce mon gars. Et ben moi je te défonce. Ah là là. Allez, allez, stoppez, stoppez, stoppez. Oui, oui, c'est bon, c'est bon. Ça passe, oui, ça passe. Regardez-moi ça, j'en vois la horde de gargouiller tout ça, il est dans la merde, il est dans la merde. Ah non, il est peut-être pas tant que ça dans la merde, mais disons que ça passe. Ça va. Ouais, ça va, ouais. Oh oui, ça va très bien. Désolé pour la voix aiguë. Oh là là, il a le seum. Il a le seum. Bon, j'arrête avec la voix aiguë parce que franchement, ça fait pas très viril. Hein. Bon. En attendant, d'un côté, depuis quand on est viril, nous? Depuis quand? Jamais. Bon alors, du coup, franchement, et je peux te l'assurer, au moins... 99%, on est chaud. Ouais, au moins 99% que je ne t'ai vraiment pas dans l'optique de gagner. Ah mais non, mais là, je pensais pas du tout gagner. Ah mais pas du tout. C'est pas un mensonge. Même je pense, même vous pensiez pas du tout que j'allais gagner, à mon avis. Parce que, waouh, quoi, le mec, dès le début, il a montré qu'il c'était le patron. J'avoue que j'ai eu peur quand même. Je me dis, comment je vais réussir à défendre avec son sort de rage, et barbare, tout ça. Mais finalement, j'ai réussi parce qu'il a pas voulu attaquer de gauche. Il aurait attaqué de gauche. Il aurait eu ma deuxième tour à coup sûr. Parce que le rapprochement est plus près en fait. Enfin, tu sais, entre les barbares et les mousquetaires, tu vois, ça serait plus près. Alors que là, j'ai le temps de défendre les barbares le temps qu'ils arrivent sur la tour principale et la mousquetaire derrière aussi assez facilement. Donc c'est pour ça qu'il a pas bien réussi. Il aurait été sur la tour de gauche, il aurait tout défoncé. Mais bon, malheureusement, il a pas eu l'idée de le faire. Tant mieux pour moi. Et puis bah du coup, bah ce que je vais faire, c'est que bah je vais vous dire à tout de suite pour le coffre à couronne. T'es parti. Et c'est parti, on va ouvrir le coffre à couronne histoire de terminer la vidéo. Non, j'arrête. Bon, allez, c'est parti. Attention, qu'est-ce que ça donne? 496 d'or. Mais pourquoi tu me donnes pas 500, là? Hein? Espèce de radin, va. Va, attention. Alors, 3 petites gemmes. Ça, c'est plutôt pas mal. 5 géants royaux, ça va. C'est correct. Et 17 chevaliers. Ouais. Non, mais bon, très bien, ouais. 36 esprits de feu, ouais, enfin de glace, je veux dire de glace, ouais, ils sont mignons. Et si j'ai un, youpi! Non, mais s'il te plaît, quoi, des archers, des valkyries, enfin de la valkyrie, de la méga gargouille, des choses bien, quoi, choses bien, prince ténébreux, et blablabla, et blablabla, et blablabla, et blablabla. Et blablacar aussi, pourquoi pas, si t'as envie, si ça t'éclate. Bon, alors du coup. Voilà, il y a des flèches, des hordes de gargouilles, une balance de lave, une sorcière de glace, pourquoi pas, bon voilà. Bon, après, le prince ténébreux, voilà, des bonnes troupes, quoi. Hallucinant, ça, quand même. Hein. Ah ouais, non, mais c'est un truc de fou. Bon, en attendant, on a terminé quand même notre petit pack opening, nos deux petites attaques et le petit coffre à couronne. En attendant, je vais vous laisser sur ce, voilà. Donc, bon, on a eu une méga gargouille. C'est déjà bien. Sur tout ce qu'on a ouvert, on a eu une méga gargouille. Ouais. Ouais, non, mais c'est vrai que c'est... Moi, ça... Non, ça me saoule un petit peu, là, au niveau de... Ça me saoule... Putain, je me suis fait mal. Bon, attendant. Oui, donc ça me saoule un petit peu au niveau de ça, justement. C'est qu'on n'a pas forcément les troupes qu'on veut. Ça, c'est un petit peu énervant, tu vois. Parce que tu dis, allez, s'il te plaît, là. Vas-y, fais pas ta... Bon, attendant. On va arrêter de délirer et puis on va se laisser sur ce. Moi je vais vous dire à une prochaine vidéo. Je vais vous dire ciao et puis n'oubliez pas, moi c'est cool.